Konnichiwa les Kebishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série de vidéos sur Mario Kart Tour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment remporter le défi Ruée vers l'or, faire la ruée vers l'or, la faire même plusieurs fois, se faire un maximum de pièces d'or et puis utiliser les pièces d'or car j'ai repéré quelque chose de très sympa dans le shop. Donc c'est parti, je vais vous montrer où se trouve la ruée vers l'or. Donc voyez le petit plus à côté des pièces d'or, vous cliquez tout simplement dessus et donc vous avez donc au choix x2. À 5 rubis, x 6 à 15 rubis et x 10 à 25. On va faire les 3, on va commencer par le x2, donc avec les 5 rubis, et bah c'est parti. Et on va essayer de ramasser donc un maximum de pièces d'or. Donc là, ça va être multiplié juste par 2. Hein. C'est parti. Donc ce qui est sympa avec la ruée vers l'or, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est limité à 30 pièces d'or par jour. Donc du coup, quand on a quelques rubis, c'est quand même sympa de pouvoir en gagner plus. Et du coup, je trouve ça plutôt rentable. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez acheter pas mal de choses dans le shop. En l'occurrence, sur des offres des fois de cartes, d'ailes ou de pilotes que vous n'avez pas. Et vous avez tout type de montants. Pareil, vous avez des tickets également. Il y avait pas mal de choses, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis regardez comme il est beau, le Mario doré, hein. Il est super beau, hein. Et bien sympathique du coup de l'utiliser sur cette ruée vers l'or. Et voilà, donc c'est fini pour la première course. Donc je récupère 388 pièces d'or qui vont être multipliées par 2. Donc je trouve que c'est quand même super cool. Voilà, 776 pièces. Au passage, il y a le défi qui est remporté. Donc du coup, voilà, le défi est remporté. Faites une fois la ruée vers l'or. Donc je remporte le badge. Et puis, il me semble un rubis. Allez, donne-moi le rubis. Voilà, un rubis de remporté. Il me semble que je dois avoir des pièces d'or encore. Non, ah oui, voilà. J'ai fini la ligne, donc 100 pièces d'or. Donc voilà, je suis à 1749 pièces d'or. Donc là, mon but, c'est vraiment d'avoir un maximum d'or. Donc on va continuer et on va faire le x6 à 15 rubis. Allez hop, c'est parti. On le fait aussi. On va voir cette fois-ci combien de pièces je vais réussir à ramasser. Ouais, je vous ai tout accéléré, comme ça au moins ça va plus vite. Et on arrive tout de suite à la fin. Alors 381, je crois que j'ai loupé des pièces. Oui, j'ai loupé cette pièce parce que j'en avais ramassé 388, donc j'en ai loupé 7. Bon bah, tant pis. Donc ce qui me fait un total là de 2286. Je suis du coup à 4035 pièces d'or. On va enchaîner avec le x10 à 25 rubis. C'est parti. Donc on va voir cette fois-ci combien je vais réussir à ramasser de pièces d'or. Je vous donne quand même un conseil au passage, c'est que moi je joue en manuel, mais pour faire la ruée vers l'or, si vous voulez ramasser le maximum de pièces, voire toutes les pièces, mettez-vous en mode auto, ça sera beaucoup plus facile, parce que là du coup j'ai loupé des pièces par rapport à ça, c'est certain. Donc du coup, le verdict, combien je ramasse de pièces sur cette dernière ruée vers l'or? 389. Alors le x10, donc 389 x10, ça fait donc 3890 pièces d'or. Bah c'est pas mal du tout. Donc en tout, je suis à 7925 pièces d'or. J'en ai gagné là sur les 3 ruées de l'or, 6952. Comme je vous avais dit, j'ai repéré quelque chose dans le shop que je vais acheter donc du coup avec ces pièces d'or là. Et voilà, ça coûte 2000 pièces d'or. Je ne l'ai pas dans mon deck de cartes.
Donc, je trouvais que c'était cool de pouvoir l'acheter avec les pièces d'or. Donc voilà, Proto 8 que je vais débloquer. Nouvelle carte rare. Prolonge encore l'effet de l'aspiration pour plus de points d'action. Bon bah voilà, super cool hein. Du coup, je remporte un nouveau défi qui était obtenir un objet dans la sélection du jour dans la boutique. Comme ça, ça me fait un défi en plus de remporter. Je pense que je vais gagner peut-être quelques rubis encore. Et puis, certainement de l'or. Ah oui, voilà, un rubis. Et est-ce que je gagne de l'or? Non, j'ai le badge et un rubis. Bon, bah c'est déjà super cool. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et mettez-moi un max de pouces bleus. Des bisous les kibichis.